Quentin sur la ligne des 10 mètres pour l'équipe de Loire-sur-Aube qui va engager cette première place. Et c'est parti. Premier ramassage pour ici. Ici, là. Justin. Ça approche au Justin. Alors, on va essayer de côté Manchin. Allez, ramassé par le numéro 3, Lynn. Allez, première attaque par le nordiste. On est dans le blanc. C'est parti pour le numéro 4, le capitaine de l'équipe, petit cerceau. Le ballon est relancé dans le travers du jeu. Et l'équipe est en morceau. Avec un fil. Passé, il a récupéré le ballon. Allez, on attaque le Loire. On est reparti sur le côté 3, donc on va pas être validé, peut-être pas de marchand, c'est juste. C'est Arthur, mais la défense de Marchin l'a déjà bien repoussé sur sa droite. On revient à Augustin. Arthur à nouveau. Ryan, non. Arthur. Ben, c'est ça qui me plaît dans les mains de Marcelon pour l'instant. Entre 5 et 2, et c'est le 5 qui est en Julien. Ils ont toujours pas leur sur l'eau. Ils ont leur bout en l'air. Mais Marchand, pour l'instant, Marchand est bien présent, puisque voilà, il a trouvé le massage dans cette défense du Pas-de-Calais. Allez, deux tentatives, on va le dire. La circulation. Qui est le numéro 2 en gagne par Lynn. Marchand, ramassé par Marchand, Lynn, c'est bon. Lynn. Ah là, il attend, c'est bon, il va bien revenir. On va retrouver ses coéquipiers. C'est bon. Lynn. Voilà, petit cerceau. Un passage, voilà. Allez, on va changer de côté, je pense. Avec une attaque du côté de Loire. Allez, c'est parti avec Augustin. Devant, pas devant, et pas regarder les redéfenses un peu plus, hein, ça. Pas appel au bout, mais en tout cas, c'est pas permis pour Marchin avec lui qui avait le récupéré sur le ballon, la passe rapidement. Les mains pour Charlotte, qui a fait son retour sur le terrain, Charlotte. Les mains, lui. Charlotte, il s'approche. La défense de Loire se met en place. Bon, ne faut pas laisser les nordistes aller un peu plus loin. Allez, à la gauche. Allez, Lille. Oui, il passe au centre, il essaie de rentrer, mais il y a du monde. Et la tenaille de Loire-sur-Aube a fait son effet. Je crois que ça n'a pas pu aller plus loin. Merci d'avoir vu pour les nordistes qui ont eu mon enfant. Voilà, pour tout le monde, sur la salle, sur les cas, Charlotte. Allez, on va aller voir, elle est partie. Elle passe au centre. Allez, un peu trop. Allez, c'est pas perdu, ça a pu quand même un machin dans le centre, maintenant on va le faire ici.
au centre, devant Bid était placé, la défense de l'arrière est revenue, donc Bid n'a pas couru plus loin. Allez, il a réussi à passer le ballon.
C'est le numéro 3, c'est Augustin qui récupère. C'est Augustin qui s'approche aussi. La pédale de Morgin à JP1 qui était accordée à l'équipe de l'Orsiron. C'est joué. Avec le but pour Marchand. C'est pas droit. Le blanc couloir. Et c'est Marchand qui conserve le contrôle du ballon. Ça sur la gauche, voilà, bien marqué par Alexis en face, mais réussit à conserver le contrôle de ce ballon. C'est bien marqué, latéral, la formation de l'arrivée, Augustin, Titine, et qui marque. C'est le côté marchand. Il y a un quatrième point à servir, encore quelques minutes. Ça circule dans les mains de Lars Rhône avec Julien. Vincent. Ici, on regarde. Ça va faire tourner le contrôle du ballon. Alors, on regarde dans son camp. Allez, maintenant il va falloir essayer de concrétiser.
passe derrière. Allez-y. Utir, démarque le. Allez, lancez l'or sur Rome. Donc, alors là, donc, le premier avec Alexis, Justin, Arthur. Ryan, Justin, Ryan. Attention, il y a une passe. Et puis on marque. Ryan. Et voilà, il y a un jeu de l'équipe qui a été très discuté, et le Grand Valois a réussi à